Bonsoir l'Afrique, bonsoir le peuple malien. Je tiens à remercier d'abord à glorifier Nzambien Pongoutoulendo, le Dieu de nos ancêtres, qui m'a encore donné le souffle de vie. Je tiens à remercier l'énergie créatrice de toutes choses qui fait revenir Sentomoi. Car nous sommes nous-mêmes nos ancêtres éponymes, nos ancêtres qui reviennent pour se sauver encore de l'injustice que subissent notre peuple. Je tiens à honorer Sundiata Keïta, Modibo Keïta, Thomas Sankara, Lumumba, Sylvanus Olympio, Sékou Touré, Modibo Keïta, Cheikh Anta Diop, Antonin Firmin, Toussaint Louverture Dessalines. Je viens dans cette vidéo interpeller le peuple malien par rapport à ce que nous avons comme écho ici. Je suis venu dans ce combat-là parce que des Maliens m'ont demandé de venir me battre pour le Mali, une dame. C'est pourquoi je suis là. Alors, lorsque nous entendons que des syndicats qui sont en train de se mobiliser mettent la pression sur ce gouvernement-là, que nous devons pourtant tous soutenir, qui avait écouté l'appel, du peuple malien. Lorsque moi, on m'appelait pour venir me battre, pour le peuple malien sur la place de Paris, plus de Maliens n'étaient encore dehors. Nous avons mobilisé les gens ici, comme au pays aussi les gens se sont mobilisés, jusqu'à venir toucher la sensibilité et le patriotisme des dignes fils du Mali le 18 octobre 2020. Le colonel Diao, les Assimi Goïta ont mis fin à la marionnette de la France qui était Ibeka. Nous avons eu la révolution. Aujourd'hui, nous entendons ceux qui n'ont pas pu demander leur argent depuis ATT, depuis Ibeka, ils ne pouvaient pas. Ils veulent mettre la pression sur un gouvernement qui n'est là que pour réinstaurer les institutions du Mali. Alors que nous devons les soutenir. Qu'est-ce qui a changé depuis le coup d'État d'Amadou Toumani Touré ATT? Lui-même, on l'a fait en coup d'État par le capitaine Sanogo, mars 2012. Qu'est-ce qui a changé? L'impérialisme a repris le contrôle d'Ibeka, nous a imposé Ibeka. Aujourd'hui, on veut repartir à zéro. Et vous êtes là en train de vouloir boycotter le travail qu'on a fait. Comme disait Modibo Keïta, j'ai chassé l'impérialisme dehors, mais il reviendra. Il tourne comme un lion blessé et il reviendra dans le Mali. Parce qu'un de nos frères lui a ouvert la porte ou la fenêtre. Moussa Traoré. Il est revenu. Nous sommes en train de remplir toutes les conditions pour que l'impérialisme revienne encore. Peuple malien, gardien de la révolution, jeunesse malienne, nous devons nous lever et soutenir cette armée-là qu'elle a pour notre bien. Le 20 janvier 2021, une grande mobilisation où nous allons demander à l'armée française et à toutes les armées étrangères de partir parce que les FAMA seront prêts à défendre l'entière du territoire malien. Nous ne sommes pas contre le peuple français, nous devons le signifier. Nous sommes contre les dirigeants français depuis les rois de France à la République, à la 4e République de René Coty, pardon, et à la 5e République de Charles de Gaulle qui ont été toujours des xénophobes. Et nous ne sommes pas contre le peuple français qui est maltraité aussi. Le peuple français qui a vomi ses dirigeants alors que je vous parle, mais qui est maltraité par ces mêmes dirigeants, les gilets jaunes. Donc c'est pourquoi nous faisons la nuance. Nous devons faire partir tout ce monde-là. Et nous sommes libres d'accueillir des nouveaux partenaires qui viendront avec des relations gagnant-gagnant, j'insiste sur ça. Et qui feront au moins bénéficier la richesse du Mali au peuple malien. Et nous disons, nous n'accepterons pas une force, que ce soit à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, vienne boycotter cette révolution qui a lieu au Mali. Jeunesse malienne, nous ne pouvons pas accepter cela. C'est pourquoi nous disons, mettons-nous autour de ce gouvernement de transition, du président Badao, du colonel Assimi Goïta et du colonel Maliki Diao, pour que nous puissions protéger le Mali encore de tous ces prédateurs et de toutes les marionnettes de l'Occident qui pourront venir au pouvoir.
Voilà le message que je voulais faire apporter ici et que tout le monde comprenne. Il s'agit d'abord de l'intérêt national et le patriotisme est obligatoire. Je tiens à rappeler que je n'ai jamais rencontré ces dirigeants qui sont au Mali. C'est par bon sens, c'est par sagesse, c'est par panafricanisme que nous disons nous devons les protéger et nous devons être avec eux. Depuis que le Mali est aux mains de l'impérialisme, qu'est-ce que les Maliens ont gagné? Je tiens à rappeler, le Mali c'est la terre de Kanka Moussa, qui était l'homme le plus riche au monde, qui était assis sur une terre où il y avait plein d'or. Où est passé cet or? Kanka Moussa qui est né en 1280, qui a régné entre 1312 et 1335, est mort, décédé en 1337. C'était le roi le plus riche au monde. C'est le même sous-sol où il est, où il y avait beaucoup d'or. Mais où est passé l'or? Pourquoi les Maliens ne voient pas leur or? Pourquoi les Maliens ne voient pas leur richesse? La réponse est là. C'est l'impérialiste qui prend l'or. Et ils sont là pas pour votre bien. Ils sont pas là pour vous protéger. Nous avons toutes les preuves. Le terrorisme est créé par eux. C'est pourquoi nous voulons des nouveaux partenaires qui vont nous donner des armes. Pour que nous débarrassons une bonne fois pour toutes du terrorisme et que nous ayons une relation propre, saine, transparente, juste, de gagnant-gagnant avec nos futurs partenaires dans la Russie que je vois bien là. Voilà, c'est le message que je voulais dire. Donc, où est passé l'or de Kanka Moussa? C'est ça la question. Pourquoi les Maliens ne l'ont jamais bénéficié? La France n'a pas de mine d'or. Le Mali a 850 mines d'or. Mais on ne voit pas cet or là. Et ça ne bénéficie pas aux Maliens. Pourquoi? Voilà la question. Kanka Moussa était l'empereur ou le roi le plus riche de la terre. Celui-là même qui est parti en pèlerinage en Égypte et a fait chuter le cours de l'or. Donc, dans une carte donc, des temps anciens, il est représenté sur une carte assis sur de l'or. Donc, il était donc le roi du Mali, sur une terre pleine d'or. Alors, aujourd'hui, cette terre-là n'a plus d'or. Où est passé cet or-là? Puisqu'on ment tout le temps que le Mali, c'est un pays pauvre. Alors que le Mali a plus de 850 mines d'or, dont on ne voit pas l'or. Et l'or, pendant que la France n'a pas de mines d'or, il y a au moins à peu près plus de 3000 tonnes d'or en France. Voilà. Les Maliens eux-mêmes ne bénéficient pas de leur or. Où est passé l'or de Kanka Moussa? Hein? Aujourd'hui, les propriétaires, les maîtres, c'est la France. Nous devons soutenir le gouvernement de transition qui est là au Mali actuellement. L'heure n'est pas de leur mettre la pression, sinon c'est fragiliser nos institutions à nous-mêmes. Nous ne pouvons leur mettre la pression, nous devons leur donner le temps de solidifier les institutions du Mali. Parce que nous avons entendu qu'il y a un certain syndicat qui veut mettre la pression. Je dis bien, l'impérialisme va utiliser parmi nous des gens qui vont chercher à foirer la révolution. C'est pourquoi nous appelons à la jeunesse malienne de se former en groupe de gardiens de cette révolution-là. Nous avons vu ce qui s'est passé pendant ATT. Rien n'a changé après son coup d'État. Nous avons vu ce qui a changé après le coup d'État d'ATT qu'on a fait à ATT. Et Ibeka est venu, rien n'a changé. Nous ne pouvons pas reprendre les mêmes bêtises. Mettre la pression sur ces gouvernements de transition qui est là que pour rétablir les institutions, ça sera une faute grave. Ça veut dire que le combat que nous avons fait n'aura servi à rien. Soyons matures, apprenons de nos erreurs. L'impérialisme a utilisé des gens parmi nous, ces syndicats-là, tout ce monde-là qui veulent foirer le processus de la révolution malienne. Voilà le message que je voulais faire passer. Je soutiens le président Bandao, je soutiens les députés de la transition, je soutiens le colonel Goïta, je soutiens Malik Diaw, je les soutiens jusqu'à ce que on va sécuriser le Mali, jusqu'à ce que on va rétablir les institutions au Mali. Et voilà. Si nous sommes censés, voilà la voie que nous devons suivre. Je viendrai sur place comme je suis en train de le dire et voir avec les dirigeants actuels qu'est-ce que nous pouvons faire ici dans la diaspora malienne pour soutenir ce gouvernement de transition. Laissons-leur le temps.
Laissons-leur le temps de rétablir toutes les institutions du Mali. Du Mali. Voilà la voie de la sagesse que nous devons suivre. J'ai confiance à Assimi Goïta de pouvoir tenir l'armée malienne, de pouvoir doter l'armée malienne des armes les plus sophistiquées et les plus lourdes qu'il faut, de pouvoir doter l'armée malienne avec des avions de combat, des avions de chasse, des chars d'assaut, voilà, et des batteries anti-aériennes. C'est la puissance de l'armée qui fait la puissance d'un État. Voilà. Et c'est pourquoi l'armée française, en tout cas les dirigeants français, ont fait tout pour affaiblir l'armée malienne jusqu'à manquer même de munitions. Voilà. C'est ça le problème que nous devons comprendre. C'est par les armes que nous aurons la souveraineté de notre État et la défense de nos frontières. À défaut d'avoir suffisamment de munitions, les militaires maliens ont de l'imagination. Je voudrais officiellement demander que le service militaire soit obligatoire à tous les jeunes maliens à partir de 18 ans, qu'ils soient prêts à défendre leur État. Parce que comment comprendre que toutes les plus grandes et puissantes armées, tous les pays qui sont en pointe, qui donnent des décisions dans le monde, leur budget de l'armée ne fléchissent point. Ils sont au devant en ce qui concerne les armements, la course aux armes. Déjà les États-Unis, c'est à peu près 732 milliards de dollars, soit 36% hein, du budget de la défense mondiale qu'ils prennent à eux seuls. Suivi donc de la Chine, qui est à peu près à 260 milliards de dollars. Hein, qui équivaut à peu près, je pense, à 14% du budget mondial de la défense. Hein. Et en troisième position, nous avons la Russie. En troisième position, c'est l'Inde qui est à 71 milliards et suivi donc de la Russie. Ça, c'est en ce qui concerne les budgets militaires. Hein. Donc, suivi donc de la Russie qui est à 65 milliards des budgets militaires. Mais lorsque vous voyez les plus grandes puissances au monde, les cinq pays dont les États-Unis, la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne, la France. Donc, avec la France, ils sont à 50 milliards. 50 milliards du budget militaire à la défense. Et la Grande-Bretagne, bien sûr, 48 milliards. Pourquoi ce pays-là dépense autant pour l'armement? Parce que c'est ça qui donne la force pour pouvoir compter dans le concert des nations. Et moi, je pense que nous ne devons plus compter en Dieu pour la défense de nos pays. Hein? Ceux qui nous ont rapporté ces religions-là, eux-mêmes, ils font confiance qu'à leur armement. Pourquoi nous allons compter sur des fétiches ou sur Dieu pour pouvoir nous défendre? C'est pourquoi nous en sommes là où nous sommes aujourd'hui. Alors, soyons intelligents une bonne fois pour toutes et redynamisons nos armées. Voilà, pour qu'on compte enfin dans le concert des nations.
La Chine, ça fait plus de 23 ans, n'a jamais cessé d'augmenter son budget militaire. Plus de 83% du PIB, donc du produit intérieur brut de son pays. Tout ça dédié à l'armée. Pourquoi d'abord chercher cette puissance de feu? Voilà. Pour que qu'on ne puisse pas piétiner sur sa souveraineté. Pour qu'on ne puisse pas piétiner sur sa conscience. Pour qu'on ne puisse pas marcher sur sa conscience. Pour que le pays soit bien défendu. Et je pense que c'est cette voie-là que nous, Africains, nous devons suivre et que nous ne devons plus négliger. Posons-nous donc des vraies questions. Pourquoi la France s'était dit depuis... dites-le leur pseudo indépendance que nous allons assurer votre sécurité, pas la peine que vous soyez doté en armes. Non, c'était pour nous affaiblir et créer du terrorisme. Donc ces dirigeants-là créent du terrorisme dans nos pays aujourd'hui. Or si nous avons les armes, il n'y aura plus de terrorisme. Ils ne pourront plus oser. Si nous avons des avions de guerre, des avions de combat, des avions de chasse, des hélicoptères de chasse, il n'y aura plus de créations de milices dans nos pays. Voilà. Et moi, je pense que c'est ce chemin. L'Africain, aujourd'hui, doit comprendre que c'est ce chemin-là que nous devons suivre. Voilà. Nous-mêmes, nous devons veiller à notre défense. Nous-mêmes, nous devons veiller à ce que nous soyons prêts à toute éventualité. Voilà. Скандал в Сирии. Сегодня русские бомбардировщики нанесли авиаудар по Алеппо, где в это время проходил чемпионат мира по бейсболу. Тысячи жертв среди мирных жителей города. Неопровержимые доказательства еще не предоставлены, но наш специальный фотошопер сообщил, что все будет готово в ближайшее время. Идиоты. C'est lorsque nous nous querellons entre nous que l'ennemi fonce sur nous et peut nous écraser. C'est lorsqu'il y a des divisions entre nous que l'ennemi en profite pour nous écraser les uns les autres, nous montrer les uns contre les autres. Et ça me rappelle une image que nous voyons sur Facebook où il y a deux cerfs qui se battent. Donc, ils se sont accrochés leurs cornes entre eux pendant qu'ils se battaient entre eux. On voit au loin un lion qui est en train de bondir, venir là jusqu'à venir les saisir. C'est pourquoi je dis arrêtons de nous battre. Entendons-nous. Arrangeons-nous.
Discutons, c'est d'abord le Mali qui est en jeu qu'il faut sauver. Et c'est ça qui est le plus important. Ne pensons pas d'abord à notre ventre. L'abondance viendra pour nous tous. Mais mettons-nous d'accord que ceux qui sont à l'extérieur ne viennent pas nous diviser. Que l'ennemi, c'est celui qui est à l'extérieur entre nous, nous devons nous entendre. C'est ça qui est très important. Et que ceux qui sont à l'extérieur n'utilisent pas ceux qui sont à l'intérieur pour leur intérêt à eux d'abord. Et pour des intérêts égoïstes de ceux qui sont à l'intérieur. Nous ne devons plus. Asseyons-nous, entendons-nous, peuple malien. Solidifions les institutions du Mali. Voilà, et que ceux qui sont au dehors ne viennent pas nous diviser. C'est pourquoi nous pensons aussi à la Centrafrique. Je tiens à éclaircir que nous ne sommes pas contre la France. Nous ne sommes pas contre le peuple français. Nous sommes contre ces dirigeants français-là qui, depuis les rois de France, depuis la royauté, à la République, à la 4e République de René Coty, à la 5e République depuis Charles de Gaulle, qui ont eu que des dirigeants racistes, xénophobes et négrophobes. Voilà. Nous pensons qu'aujourd'hui, la France doit changer de vision et de paradigme. Parce que si ça continue comme ça, vous allez perdre même ces partenaires africains que vous allez avoir. Parce que nous savons que, en Centrafrique, derrière le coup d'état de Bozizé, qui est une marionnette des dirigeants français que nous savons, il y a ces dirigeants français-là qui sont là, qui sont têtus et qui ne veulent pas écouter la voix de l'Afrique qui crie au changement. Et ce coup d'état a foiré donc d'avance, parce que le président Touadéra a fait venir l'armée russe en Centrafrique pour dire qu'aujourd'hui on n'a plus confiance à l'armée française, on n'a plus confiance aux dirigeants français qui par la MINUSMA, par les casques bleus qui ne sont autres que des soldats français qui sont là, après avoir déclaré l'embargo à la Centrafrique, que l'ONU, qu'on ne puisse plus donner des armes à la Centrafrique, font entrer des armes aux rebelles qui sont là par les casques bleus qui sont là. Voilà. Et le président Touadéra a jugé bon de faire entrer la Russie. Et aujourd'hui, qui les soutient, qui est en train de remettre l'ordre républicain dans son pays. Et là, les dirigeants français ne comprennent pas toujours. Peuple français, réveillez-vous. Parce que vous ne comprenez pas encore les enjeux. On ne vous dit rien. La France sera pire que l'Albanie. Lorsque la France perdra même ses partenaires, ou encore ses deux partenaires qui sont encore en réalité que ses colonies, je vous dis, la France sera pire que la misère sera ici pire que les révoltes seront ici là. La classe prolétarienne va se révolter. Ce qui se passe encore, les gilets jaunes là, ce n'est encore rien. Et ça, vous n'avez pas encore compris les enjeux. Où sont les démocrates français? Où sont les vrais Français qui se battent pour la patrie des droits de l'homme qui est la France? Où êtes-vous? Arrêtez ces gens-là. Faites-les arrêter cette politique-là. Parce que ça mènera la France à la ruine. En vérité, je vous dis, croyez-moi ce que je suis en train de vous dire là. Regardez ce qui se passe en Centrafrique. Et Sassou Nguesso est là dedans du Congo-Brazzaville, dans ce coup d'état-là. Sassou Nguesso est là, Idriss Déby du Tchad sont là dans ce coup d'état-là. Réveillons-nous, faites changer les choses. C'est ça le message que je voudrais faire passer. La Centrafrique, précisément, est un pays africain où la Russie est présente depuis l'année dernière. Elle exerce du soft power, entendez, une influence douce via la culture. Suivez le reportage de nos envoyés spéciaux Patrick Fandio et Tristan Lepay. Un brin de glamour dans un pays en guerre et un peu de légèreté au milieu d'un conflit sanguinaire. C'était il y a quelques mois dans un stade vide de Bangui. L'élection de Miss Centrafrique avec dans le décor des drapeaux russes. Un événement sponsorisé par la Russie à coût de millions de roubles en présence d'une Miss venue spécialement de Moscou et de diplomates russes en pleine offensive de charme. Comme Fyodor Dostoïevski a dit, un célèbre écrivain russe a dit, c'est la beauté qui va sauver le monde. Et donc, on a pris la décision de louer la beauté centrafricaine aujourd'hui. L'aide à la Centrafrique, ça passe par les événements culturels. La culture, un investissement pour la politique d'influence. Le soft power de Moscou qui entend faire de la Centrafrique une vitrine de son grand retour en Afrique.
Une stratégie du carnet de chèques appréciée par des associations qui n'ont pu trouver de l'argent nulle part ailleurs. On a eu les Russes parce que j'ai déposé des dossiers partout et personne n'a répondu favorablement. C'est que l'ambassade de la Russie qui nous a répondu. Donc c'était les seuls, on ne pouvait pas refuser. Mais à Bangui, plus d'un an après son arrivée en fanfare, la Russie se fait beaucoup plus discrète. Beaucoup moins de propagande sur les médias financés par Moscou et presque plus de patrouilles de mercenaires, de sociétés privées de sécurité russes. À l'extérieur de Bangui, voici désormais le symbole de la présence russe sur place. Une formation militaire dispensée dans l'ex-palais de l'autocrate Bokassa, devenu un centre pour instructeurs russes qui y ont déjà formé 3000 soldats centrafricains depuis février 2018. La Russie a livré au pays plus de 400 tonnes de munitions et d'armes légères, en attendant les armes lourdes que vient de réclamer le président centrafricain à Vladimir Poutine. Nous disons au président Touadéra d'être un grand chef et de prendre des décisions et de ne pas hésiter. Parce que nous avons vu que la France a fait survoler deux Mirage 2000 avant-hier au-dessus du ciel de la Centrafrique, et 4 heures après qu'ils sont allés encore atterrir en N'Djamena, qui ont pris leur décollage de N'Djamena, et 4 heures après qu'ils sont allés encore atterrir en N'Djamena. Nous savons que c'est de l'intimidation simplement et du repérage pour voir là où sont les soldats russes, là où se trouve l'armée centrafricaine. Mais nous disons ceci, que tout ce que vous faites là, ça servira à rien. Donc, nous disons ceci, le président Touadéra, en tout cas le chemin que tu as pris là, tu le sais toi-même, que c'est sans retour. Voilà. Et moi je pense qu'aujourd'hui, Bozizé, qui a fait ce coup d'état là, il est mort parce que le camion où il a été avec son fils, qui vient de succomber de ses blessures, qui a été bombardé, lui aussi se trouvait là. Donc nous pensons que on évite d'abord d'annoncer la nouvelle, qu'après les élections, je pense qu'ils vont l'annoncer. Voilà. Donc, nous disons ceci, qu'il est temps que la France change de vision par rapport aux Africains. Nous ne sommes plus ces esclaves-là. Nous ne sommes plus ces colonies-là. Il est temps de changer cette vision-là. Voilà. Voilà. Donc, pour terminer cette vidéo, je tiens à signaler, nous avons tout notre soutien au gouvernement de transition, à l'armée malienne, les FAMA, et tout notre soutien au président Mbandao, tout notre soutien au colonel Assimi Goïta, tout notre soutien donc à Malik Diaw. Voilà, nous disons à la jeunesse malienne, écoutez-moi bien, jeunesse malienne pour laquelle nous battons, jeunesse malienne qui sont dans les foyers, qui est en France, jeunesse malienne qui est au pays, vous devez vous considérer en gardien de cette révolution. Il s'agit de votre avenir, parce que cela, ils vont passer, mais il s'agit de votre avenir. Et il n'est pas question, nous disons, construisez-vous en gardien de la révolution. Voilà, cherchez à savoir vous-même de quoi il est, de quoi sont faits les enjeux, pardon. Voilà, et je dis bien, n'acceptez surtout pas que cette révolution soit sacrifiée à l'autel des intérêts égoïstes des hommes politiciens. Je répète, n'acceptez pas que cette révolution soit sacrifiée à l'autel de l'égoïsme des hommes politiciens. Voilà, j'en ai terminé. On est ensemble, fils de Sundiata Keita, fils de Modibo Keita. Levons-nous, on est ensemble. Merci encore. Vive le Mali, libre.